Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le puzzle de l'amitié. Donc c'est quoi le puzzle de l'amitié? C'est un puzzle que j'ai recouvert de blanc, où j'ai choisi qu'on allait le créer ensemble sur le thème des animaux. Pour cela, il suffit de me donner la couleur de fond, l'animal, la couleur de l'animal et un numéro de pièce. Donc tout ce qui est en jaune, c'est toutes les pièces que j'ai déjà créées. Toutes les croix, c'est les numéros qu'on m'a déjà donnés. Et les cases blanches, c'est celles qui restent à me donner, s'il vous plaît. Alors, on va tirer au sort la pièce. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Michel, une libellule sur un fond parme. Alors, un fond parme, je suis allée voir ce que c'était du parme. Ouais, je savais que c'était du violet, mais du coup, j'ai fait un mix de deux couleurs. Ça rend bizarre, mais bon. Voilà, donc ça, c'est des fonds que j'ai déjà préparés, hein, des pièces que j'ai cochées. Allez, c'est parti. Alors, je suis bien dans le bon sens. Un petit bout de pièce, un petit bout de journal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme libellule? On va essayer d'en faire une rigolote. Hein. Alors, c'est parti. On va lui faire des gros yeux. Voilà, gros yeux de libellule. D'accord, comme ça. Après, comme ça, là. Hop, hop, ses ailes, hein, bien sûr, là ça, où ça va être rigolo, c'est effectivement quand on va assembler les pièces, les bouts manquants là. Je vais essayer de le faire. Donc là, ça sera une deuxième étape. On va déjà essayer de finir ce puzzle. Mais vous y mettez de la bonne volonté. Ça me fait super plaisir. Voilà, on va mettre ça en blanc. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je crois pas que ce soit celui-là. Ouais, elle a la mine toute fâchée. Je vais l'activer, on va le réveiller. Allez, on se réveille. Où est-ce que mon aile? Ah oui, c'est ça. Tac. Donc, comme vous avez été nombreux à participer récemment, j'ai rempli les numéros que vous m'avez donnés pour pas que ça traîne. Si jamais vous me donnez un numéro qui existe, oh, je vais y arriver, qui existe, qui est déjà pris. Je vous en attribue un autre, hein. C'est pas très très grave. Ce qui compte, c'est votre idée de comment dirais-je, d'animal, votre petit challenge. J'aime bien les challenges. Bien que j'arrive à en faire 3 par jour, mais bon, c'est pas toujours possible. Voilà, allez, je vais la sécher, la petite beauté. Alors, me revoilà.
Sec. J'ai pas fait ses bras. Alors attendez, je refais ses bras. Je vais les faire dans les ailes. Si vraiment une libellule, ça a des bras. Hein. Mais il fait coucou. Atchoum. Oh, j'ai pas fait. Alors, sa queue, son corps. Ici là. Tac. Je fais tout moi en vidéo. J'éternue, je baille. Non mais je suis à l'aise hein, quand même. Pour éternuer, c'est difficile d'attendre la fin de la vidéo. Et voilà. Oh, les trois rigolotes. Alors, qu'est-ce qu'on lui fait comme corps? Je ne sais pas. Voilà. On lui fait un corps... qu'est-ce qu'on n'utilise pas beaucoup comme couleur? Bleu. Un petit bleu, là, comme ça, paillettes, là. Oh non, je l'ai pas celui-là. Rose. Non, rose, ça ressort pas bien avec le blanc pourri là en dessous. Vert. Allez, vert. Hop. Bien calme ici. C'est étrange. C'est comme les enfants, quand on les entend pas, qu'ils font une bêtise. Tac. Et cette petite patte là. Qu'est-ce qu'on lui fait, les antennes? Il fait des petites oreilles, pas des oreilles, mais les petites ailes, on les colorie. On les fait quelle couleur? On les laisse blanches. On fait un petit effet gris là. Petit effet gris, ça c'est comment? Ouais, c'est pas mal ça. Ça se verra peut-être pas, mais. J'adore, elle est mignonne. Tac. Voilà. Bon, bah, elle est mignonne, cette petite libellule. Voilà.
Et voilà, j'espère que j'ai relevé le défi. Donc si toi aussi tu veux jouer au puzzle de l'amitié, n'hésite pas à mettre les éléments en commentaire. Je vous souhaite à tous une belle journée, je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut!